Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Pas oublier sous table contrôle là, nous gagnons Schneider à Sainte. Ça avec un dossier éducation, on a démarré le journal là pour nous réouvrir année scolaire 2021-2022. Reporté pour mardi 21 septembre, Kabina, dans ce département pays d'Haïti qui va être frappé par tremblement de terre 14 août 2021. Yo. Élèves qui dans trois autres départements, dans le grand sud PIA, d'un coup, Grandance, dans NIP avec un département sud là, a bien pu auprès chimer l'école dans la date 4 octobre 2021, d'après le premier ministre haïtien, docteur Ariel Henry, mais en déclaration le fait jeudi 2 septembre 2021. Décision ça, de prendre un conseil des ministres qui était fait mercredi 1er septembre 2021. Dans ces circonstances-là, premier ministre Ariel Henry m'a demandé pour toute l'école, publique ou privée, qu'on organise pour l'école protestant, pour tout l'ouvrir dans la date 21 septembre. On seule date qui est fixée pour que toute l'école l'ouvre dans 7 départements pays, hein, c'est 21 septembre 2021. Ariel Henry, c'est premier ministre pays d'Haïti. Pour nous, dans le gouvernement, il est important que Timon yo à l'école. Et période de rentrée scolaire, rentrée des classes, sont périodes qui sont toujours très difficiles dans le pays. Il est difficile parce que nous vivons dans un environnement sociopolitique et économique difficile. Le gouvernement prend décision, fait entrée des classes en deux temps. Il y a un temps qui concerne Timon qui dans une zone qui n'est pas affectée par tremblement de terre ou qui peut affecter par tremblement de terre. C'est-à-dire que tout reste payant en dehors de la presqu'île du Sud. Timon Sayo nous décidé de reporter l'entrée scolaire là, qui était faite le 6, nous reporter pour le 21. En fait, nous avons reporté pour le 20, mais 20 son jour férié lié. 20, c'est la fête de l'anniversaire de l'empereur Dessalines, du fondateur de la République. Et le gouvernement précédent a décidé que 20 son jour férié, donc l'école a ouvert le 21. En ce qui concerne zone qui presqu'île du sud, là, trois départements affectés par tremblement de terre, l'école a ouvert le 4 octobre. Et l'école, elle nous dit, toute l'école dans notre presqu'île du sud, là. Pour nous arriver ouvert, il faut nous faire un pile travail. Il faut nous retirer des blés, c'est-à-dire qu'à écraser, il faut nous retirer. Il faut nous mettre des structures pour que Timon soit capable d'aller à l'école. Et mon Timon, c'est quel que soit Timon qui est dans l'école d'État, dans l'école religieuse ou dans l'école privée. Il faut tout Timon dans presqu'île du Sud là, aller à l'école. Nous avons fait un effort. Pour nous faire effort, ça, nous faisons un conseil d'interministériel composé de plusieurs ministres pour que nous capables de mettre toute force nous pour que Timounio ka joigne l'école là à temps. Nous voulons aussi que prendre des dispositions pour nous gagner des allocations pour parents, pour élèves, pour l'école, yo, pour professeur de l'école. Yo. Donc, tout ça, à prendre du temps, c'est peut-être ça nous repousser l'école dans presqu'île du Sud là. Et nous retarder l'école dans le pays. Au sud côté, premier ministre Ariel Henry qui t'a parlé sous dossier éducation. Toujours dans le dossier éducation, coordonnateur, organisation pour développement et transformation d'Haïti, au DTH, pasteur Mathieu Raphaël, déclaré ouverture l'école là paraît difficile pour parents yo anessa parce que yo pas gain l'argent pour faire préparation yo. Pasteur Mathieu Raphaël allait plus loin pour dire l'état pas gain yeux fixé sous frais scolaire yo cap monter chaque année sous deux parents yo. Dirigeant au DTH là dit ces problèmes éducation qui la cause violence ak délinquance juvénile là envahi pays a. Pendant li mandé tout secteur mettez tête yo ensemble pour éducation haïtienne nan ka changer. En écouté, Jean-Claude Jeffroy a apporté plus de détails pour nous depuis le département Nord pays. Rentrer l'école là, Anissa, a provoqué un pile parler dans presque toute couche dans la société. Diverses institutions parmi eux, organisations pour développement et transformation d'Haïti aux dettes qui gagne dans tête li, pasteur Mathieu Raphaël, plein pasteur Moulin-Bois, devant calamité, parents haïtiens. A en dire dans dernier jour là côté founiti scolaire avec l'agent l'école privée avec congréganis ou bibite
Bergéa estomaqué, peut-être l'État censé démissionner, quand il n'y a pas jamais dit rien pour freiner question l'argent l'école qui passe suspend monter malgré gagne une loi sous frais scolaire qui existait, qui malheureusement pas jamais appliqué. Pasteur Mathieu Raphaël. Parents a cassé tête yo pour capable voir comment il capable acheter livre, acheter valise et etc. Eh ben, il pas de moyen. Et surtout, nous pas de l'État dans le pays. Toute l'école monte frais l'école yo et dans un niveau côté malheureux pas qu'à jouer l'agence à vous. Alors, t'es doué gagner alors l'école, l'État qui pourrait recevoir tout le monde. Constitution haïtienne dit que l'école primaire t'es doué gratis pour tout petit pays. Tout petit, petit pays en général. Or, l'en garde, l'État pas gagner l'école. Et c'est pourquoi que même dans l'école, l'État, je dis, si parents pas gagner l'argent, il n'y a pas qu'à vous étudier mon école. Et c'est pas plus facile pour aller à l'école. Et c'est ça qui porte à gagner toute qualité de problème et violence qui est dans le pays, parce que nous pas gagner l'État qui est responsable pour capable éduquer petit pays, qui former petit pays, qui parle pour la relève demain. Maintenant, dans affaire d'école là, nous avons besoin de conscience pour nous mettre les têtes ensemble pour que Haïti, Kavigné, vraiment y ait l'école et pour gagner l'école également, Fok Monio et à travail. Coordonnateur Organisation pour Développement et Transformation d'Haïti, Pasteur Mathieu Raphaël, plaide pour gagner une seule école dans le pays. Une seule école avec l'État responsable qui pour planifier et puis mettez instructi dans le système éducation pendant la mettez bon jeu matériel travail dans l'école publique à disposition élèves et professeurs. Depuis Cap Haïtien, Jean-Claude Geffroy, Pyramide FM. Merci Jean-Claude Geffroy, dans le dossier éducation, pour nous tomber dans la question insécurité, qui a fait parler de lui dans la capitale pays en Port-au-Prince, avec la croix des bouquets, pour des gangs 400 maroiseaux, qui met l'intérêt depuis la commencement de semaine. La besoin que la police nationale d'Haïti a montré lui, indifférent face à la démonstration, plusieurs dizaines civils qui déchargent à Koulekba, à Xamnamé, qui a défilé dans plusieurs, oui, dans cette ville capitale pays en Port-au-Prince. Pour les témoignages, j'ai fait état d'une situation de terreur, qui a commencé à partir de civils armés dans cette ville au Prince-là, gagné un pilado qui était lourdement armé, qui était dans la coalition Genève en famille avec alliés, qui a commencé à tirer les amis un peu partout, tout côté où tu es joint dans la capitale paysan, Port-au-Prince. Conseil de contraindre citoyens pour te courir, rentrer la caille ou bien pour te chercher un côté pour te cacher. Au moins, il y a un monde qui est touché par des âmes qui ont chanté dans la capitale paysan, Port-au-Prince, dans la rue Pavé. C'est un commerçant qui est le Sylphone Maxi, lui-même qui a payé dans son nid, dans la rue Pavé, dans la capitale paysan, Port-au-Prince. Dans la même journée jeudi, bien bonheur, il y a un employé Banque Centrale, Banque République d'Haïti, BRH, lui-même qui a lancé des appels de détresse face à la détonation, des armes automatiques qui t'a trionné ou encore qui t'a claironné dans toute zone, dans beaucoup d'entourage et institutions. Crio qui t'a arrêté, enfin, parce que pas qu'une force de l'ordre ni policier qui était capable à aider au ressortir côté OTR, d'après ça, témoin vous faire connaître. Comme ça, il y a un quartier, Martissant, Fontamara, lui-même tout est connu en situation de tension, yon après l'autre, pendant le défilé bandit a fait l'entrée sud capitale pays, dans Port-au-Prince. Qui devine un sujet de grande préoccupation, dans quoi des bouquets, un affrontement qui fait entre bandits, gang 400 maroiseux avec civils armés, dans ben 4 poètes là, qui coûtaient la vie à plus passer 3 citoyens. Donc, Zamio continue à chanter dans la capitale pays, Port-au-Prince, même Jean Toudouzou, il chantait également dans quoi des bouquets. Oui, Jean Toudouzou, amis auditeurs, qui ont commerçant, qui a venu dans la ville de Port-au-Prince là, côté de la Venrade depuis un bon bout de temps, qui est le Sylphone Maxi, qui a 62 l'année, lui mourir en babal, bandit, armé G9 dans rue Pavé, Port-au-Prince, ailleurs jeudi 2 septembre 2021. Dans cette activité, gang craché différent, tapé dans la capitale pays, Port-au-Prince. D'après information qui veut jouer nous, beaucoup de familles victimes, là. C'est un moment, il tapera la louvre commerce, un groupe bandit, gang craché différent, qui tape tiré, triboré par bon, dans la capitale pays, Port-au-Prince, c'est l'ouvre coup de zame sur lui, comme ça, il est arrivé, perdu la ville. Nous avons pu écouter Rita Vitéus Maxi, qui c'est Madame Ni, ensemble avec José Maxi, qui c'est petit de capoté. Précision, comment, dans quelles circonstances, s'il faudrait Maxi, mourir dans rue pavé dans Port-au-Prince. Théo, Marie me lève matin, me dit ben, me dit radni sous li bien pour lui dit chérie, bah y'a m'ouvre les noms. Li dit chérie, m'a fini, me dit chérie, fouille dans rue, fouille dans, on est là, y'a pas bon, que des jours pas bon.
Li di m kon sa, mais OK. Si moi le babou m'a retourné. Et ben il vient promoteur, il vient déposer là, il vient arranger marchandise là. Li vient arranger marchandise là qu'on y a abandonné. Il tendait à tirer tout le monde courir lui-même, gommi, on poteau là la pied dans poteau. Grande balle la vient prendre beaucoup. Même coucher à terre là, même coucher à terre. Mais la ben son à terre là. Oh Marie, m'a jamblio parce que tout le monde a dit, on descend la ville là, si on tape, si toutefois on rentre dans le barreau, on ça fait au mal en pile parce que on passe trop de misère pour lever. Ça fait au mal en pile, en pile, en pile. Les dîmes de tonne, Marie mouille. Ah, ça fait au mal en pile parce que Marie passe trop de misère, Marie vient de votre 45 ans depuis la viande là. Rap. C'est pas tout le monde qui connaît, c'est le monde qui va jamais parler, mais ma chaîne là a parlé, on dit Marie, il faut que connaît bien pour persister bien pour raconter le chita, depuis le fin de rendre commerce, il va n'en parler avec personne. Le chita l'a prié pour elle, la prière midi, le chita côté le chita, elle fait prière midi. Oh, Marie, pas plié, non? Pas plié, pas jamais plié, parce que je vais appeler, c'est moi ça vous t'a mouru. C'est papa qui est mort, il y a eu Cyril pendant l'hiver. Il nous ouvre commerce au tiré. S'il faut un maxi, il y aurait les nous comme ça avec papa mourir pour marcher avec drap pour nous couvrir. Beaucoup, pas combien de mais beaucoup à moi. Semblons on balle les liés parce que bon balle beaucoup quoi. La vente dans zone longtemps. C'est presque mon business manier presque qu'il y a 50 ans dans zone là. Magasin et parce qu'on est parce que va comme ça dans souhaité pour mourir parce que il fait tout moyen possible pour lever Timon. Dans le mourir, tout le monde va remettre comme ça pour le passer. Toujours dans ça qui gagne avec insécurité, ancien magistrat commune Kafou qui dans rentre site capital là, Yvon Jérôme, fait qu'on est groupe citoyen qui te prend initiative pour te permettre, d'après ça, il dit, yon trêve concernant gang qui t'a bataillé dans Matissan, eh bien, Yvon Jérôme déclaré l'IPAT là pour remplacer l'État pendant qu'il dénonce la police avec la justice qui pas fait un yen pour garantir sécurité avec la paix dans Matissan. N'a pas vite au côté Yvon Jérôme dans micro la presse. Réalité en l'éclair. Lorsque nous gagnons une situation aussi claire, côté conseil de nègre qui pas prend conscience dans qui ça ou t'a le fou et quoi, li automatique. Li automatique par le fait que ça n'a vive aujourd'hui en là, li son absence quasi totale de la réalité d'autorité publique. Pas aucune institution dans le pays en là, surtout institution de réprimandation yo, qui affichait aucune force décisionnelle qui pourtant font rappel à l'ordre. D'ailleurs, des générations, ça n'a pas là, li nettement identifié. Un, bon question de moralité par rapport à moun ki nan pos yo. Deux, bon question de le fait que toute institution yo vassalisé, personnalisé, et moun ki personnalisé yo pas à la hauteur, yo pas en mesure pour conjuguer le verbe persuader. Donc, ça veut dire que les décisions, pas bon poids de décision. Donc, dans ce sens ça, je veux dire là, insécurité généralisée ça que nous prenons là, c'est clair parce que les vins pi dégrainer leur fait mes yeux aujourd'hui là, payer une grande image de niche de ver de terre. Ou saute côté Yvon Jérôme qui t'a porté plus de détails. Ancien sénateur Steven Benoît qui t'a préagi sous situation insécurité à, notamment question gang exam qui gagne plusieurs côtés dans le pays à. Côté li dénoncer autorité yo qui pa gen assez capacité pour capable maîtriser action bandi yo. Ancien sénateur a mandé pour différents secteurs travail pour y rejoindre yon façon pour freiner action bandi exam yo nan pays ya. N'a pas vite écouté Steven Benoît pour plus de détails. On est très conscient que le monde qui l'a sous pouvoir, c'est continuer de PHTK, qui continue à piller PIA, qui continue à supporter gang. Moi, j'ai une initiative pour combattre gang qui a fait parce que c'est le banditisme d'État. Gang, c'est gangster d'État. Vous voyez? Ou gagner trois départements dans le pays qui sont complètement ravagés par notamment tremblement de terre et cyclone. Moun yo pa gen aide pour que j'aime arriver en série de section communale. Gouvernement qui l'a, qui s'est continué de PHTK, a montré qu'il est incapable pour faire face non seulement à situation, trois départements en bas de l'eau, en bas terre, en bas des combes. Pour gagner, et nous connaissons situation matissant, gouvernement pour que j'aime essayer une fois à voter depuis trois mois. Gang de Matisse qui a fait appuyer le bouton, ou bien gang Grasse Diffé, Captain Maozo, gang Oldman, Nassimoni, et ou bien gang tout côté Thomasin, gang Raboul, gang Keskov, gang tout côté gang Gouméra, parce que gang yo wè que l'État, pas qu'à l'État peu, donc gang yo a multiplié par 10 par 20, chaque matin nous levé, nous-mêmes nous disons justement, faut presser pour accroître ça, il nous a dit que rassembler toute couche en société, et pratiquement,
plus fort parti politique reconnu dans le pays pour nous presser, presser, mettre en œuvre pour une ou deux semaines ou plus tard pour nous gagner un gouvernement, c'est finalement un gouvernement de salut public rapide, même si c'est un gouvernement de transition, pour nous pouvoir choisir comme président, premier ministre, ministre de justice très important, ministre de l'intérieur très important, nouveau chef de la police très important, commissaire du gouvernement très important, pour nous attaquer multiples problèmes, ça y est, capitaine, nous, à mon cabine de Kafou, Matisse, qui fait trois mois pour dominer la Pakala, qui a lancé le Gekai, pour te supporter à tout respect, il y a côté gang envahi. Le gouvernement, ça, c'est associé bandit. Pas oublier, non, avant PHTK, te prend pouvoir en 2011, pas de zone de nos droits dans le pays, pas de gagner un groupe qui te revendique de telle gang dans telle zone dans le pays. Pas de zone de nos droits dans le pays. Mon Dieu, pour nous frapper ça, son l'autre leadership qui vous gagne pressé, pressé, c'est pas demain matin que nous allons baisser les armes. C'est au monde qui va le faire au suspens. Voilà pour l'ancien sénateur paysan Stevenson Benoît qui a réagi sur la question insécurité. Nous allons parler de marche qui est organisée par un handicapé. Plusieurs dizaines de handicapés manifestés dans l'aéroport de Prince jeudi 2 septembre 2021 pour exiger aux autorités de respecter les droits de gagner pour rejoindre un logement décent. Pour les sénateurs, tu as profité de dénoncer les policiers Simoyo, accusé qui était boulé Kayo dans Delma 2 dans la bataille qui était gagnée avec Bandi dans le 17 janvier 2021. 21, quelques handicapés étaient dans le micro la presse. Nous sommes handicapés la bus, nous voulons que nous depuis 17 juin, nous l'avons la rue, Madame Sonnette Desi, choisit de lever nous, mettez-nous dans ce type. Après 5 jours, lever nous, mettez-nous dans notre ville. Les nous, ils à nous et nous allons parler. Quand ils veulent monter sur nous allons supporter. Hier, nous organisons une conférence de presse. Je dis à nous pour la rue. Nous, nous devons mettre au PC comme handicapés. Qui ça vous fait avec vous? Nous-mêmes, handicapés, victimes la piste. L'État paye nous humilier, nous mettons notre tête de copine fatra. Et nous, avons 3 mois, depuis nous dans la rue. L'État qui vous a servi et protégé, même pour les cas nous la piste. Depuis 17 juin, nous dans la rue. Nous prenons nous comme personne responsable handicapé soit net. Nous te prenons, nous mettons une sétive. Nous mettons une sétive, nous fait 3 jours. Nous mettons nous en l'air Petroville dans son toit. Côté bête pendant qu'à vivre, nous ne pas espoir à personne. Nous-mêmes, nous connaissons nous un bureau, Nations Unies voter nous-mêmes, 19 pays, Chita, voter loi handicapé pour nous-mêmes, comment pour nous bien vivre. L'autre pays qu'on a bien vivre, tout ça, nous recevoir, sous donne, nous ne recevoir rien. Là, nous avons mal vivre, 28 juillet, nous choisissons pour un bureau Bestref. Depuis les fans, nous ne nous pas dans visite l'État, qui rend nos visites. Et nous-mêmes qui contribuons pour nous manger, nous dormons dans la rue. Là, nous sommes trop, nous vivons devant OPC, qui a droit à l'État. Qui vous tendez voir nous, pour nous est-ce que nous allons dormir dans la rue? Nous avons deux objectifs. Soit nous avons un cas pour nous dormir, comme tout citoyen doit dormir légal. Si vous n'êtes pas capable de nous avoir un asile, nous avons ça. Ça n'est plus bon pour nous avoir choisi pour nous faire. Nous-mêmes qui sommes sous la piste, nous avons 10 ans, nous ne sommes pas fermes. Nous n'avons pas venir bouler car nous après ça, nous venons mettre nous dans la ferme. Nous avons réclamé asile politique dans le pays. Nous venons porter un document écrit par OPC, comme c'est lui-même qui est office protection. Sont des citoyens en tant que pays. Nous-mêmes, est-ce que c'est parce qu'un handicapé qui fait nous pas mériter protection? Nous pas aucune protection dans rien dans le pays. Tout droit nous y a saboté, y a passé en papier. Comme nous venons de OPC, est-ce que c'est les leaders politiques dans Goumé? Est-ce que c'est les bandits avec la police dans l'altercation? Est-ce que c'est les ça y a fait intervention? Nous-mêmes, nous pensons que OPC, c'est lui-même qui t'a aidé nous, défendre nous, aider nous pleurer. Nous. C'est après nous-mêmes matin, nous votre document balle et puis nous demandons en clé, sans condition, ou bien asile politique, puis on a dans notre pays, et nous battons dans notre pays, nous ne pouvons pas manger. Nous demandons pour CAS, mais chaque mois, nous demandons pour le secrétaire d'État, tout neuf. Handicapé nous, nous venons voir oppression pas pour nous. Si on va pour nous, nous-mêmes n'apprenons nous vers nous-mêmes. Handicapé nous. Vous avez posé quelques handicapés qui ont réagi dans Micro la presse, en deux temps collectif Défense Plus, qui m'a autorité dans l'État pour agir sans prendre temps pour permettre aux familles de chasser dans le caillou de Delma 32 pour être capable de retourner dans le caillou. Pendant rappeler, les réfugiés ont un droit de protection pour rejoindre le caillou d'après la Constitution 1987. Collectif Défense Plus fait qu'on ait un problème caillou dans le pays d'Haïti. C'est un bagage crucial qui vient qu'on là, qui vient aggraver par le tremblement de terre 14 août 2021. Samandina Lumanjan,
c'est responsable collectif Défenseur Plus qui est dans le micro la presse. Défenseur Plus a tiré autorité sur la situation droit au logement en Haïti que nous connaissons depuis des années qui pose des problèmes, particulièrement dans la zone métropolitaine, côté monde n'a vraiment pas arrêté dans des maisons adéquates. Ça aurait les politiques de logement pas respectées par aucune politique de logement en Haïti. Il y a des phénomènes qui viennent aggraver la situation, notamment conflits armés, qui délogent un paquet de citoyens, que ce soit à Bel Air, Delma, Delma 2, La Saline, Martis en Fontamara, qui récemment oblige les citoyens dans la zone ça a obligé de quitter la caillou. Collectif Défenseur Plus, c'est voulu attirer aux deux autorités sur la situation logement, délocalisation, masse population ça qui trouvait à vivre dans des habits de fortune, qui a dormi à même le sol dans la rue ou encore dans des crans, qui fait pour ces circonstances-là. Et nous voulons ajouter tout par rapport à tremblement de terre qui passait 14 août dans le sud, qui vraiment mettait nous en situation tête chargée, côté gain environ 52 900 cailles qui détruit, près de 130 000 maisons qui ont endommagé, ça qui vraiment vient augmenter les gens qui ont des problèmes de logement dans le pays. Défenseur Plus voulait inviter l'autorité de l'État pour établir des plans de politique publique de logement, gens reconnaissent ça, que ce soit dans la constitution ou encore dans tout l'autre instrument juridique que l'État haïtien signé, il reconnaît que tout haïtien a le droit pour vivre dans un logement décent, pour jouer une éducation, alimentation et sécurité sociale. Moun sa yo, faut l'État vienne avec un plan pour être capable de respecter le droit à la protection, le droit à la sécurité, et notamment le droit au logement, et pas n'importe quel logement, mais de logement décent. Bon, comme nous tous connaissons, on partit dans un saillot qui était à prendre refuge dans la place Fontamara ou encore dans un Carrefour, et puis l'autre qui était à l'école proche dans de l'autre zone, mais la situation n'est pas toujours même ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, par exemple, il y a un plan de relocalisation pour mon lieu toujours abdomen dans la rue, et puis comme citoyen ici, il n'y a pas beaucoup. Tu veux toujours chercher de façon pour adapter yo. Yo cherche à adapter yo, mais l'État pas jamais bay réponse adéquate à sa problème ça. N'a plus responsable Bédadoua Mounio dans la Tibonite, maître Michel Dorgil. Fait qu'on est un pays à pas gagner aucun monde qui a dirigé le journée jeudi. Maître Dorgil considéré pays à comme yon savane côté tout délinquant prend la rue. Défenseur Bédadoua Mounio croit que faut que citoyens qui honnête crédible dans le pays de mettre ensemble pour qu'il y ait le pouvoir exécutif là pour un petit bout de temps pour qu'il y ait une élection dans le moment pas gain aucune institution l'État qui gagne moralité publique et politique pour mettre le président provisoire dans le palais. Nous avons plutôt écouté M. Michel Dorgil. Son pays, que M. Dorgil a constaté, qui livre à lui-même, qui tout le savane côté tout délinquant dans la rue. Il est normal à ce que tout trouble, tout désordre qu'a fait yo, ouais au fait, ça va gagner un rien qui est capable de recommander yo sur le plan légal et normal. Là nous prend la moralité publique, puisque le pays a plongé dans une situation catastrophique, on a supposé gagner un appel qui fait avec des citoyens crédibles, honnêtes dans le pays, à un paquet de gombans qui étaient capables de même kembe exécutif là de manière provisoire pour conduire nous aux élections normales. Parce que nous n'avons pas gagné pièce, institution, l'État en un pays, qui c'est le pouvoir exécutif là, qui c'est le pouvoir législatif là, qui c'est le pouvoir judiciaire là, qui gagne, ça n'est qu'après la moralité publique, politique, pour capable remplacer ou bien mettre un président provisoire en un palais national. Tout le monde connaît Jovenel Moïse, mandat défini, et c'est même groupe nèg qui a fait des ordres pour de Kimbil en dehors de la loi, qui a vu les constitutions avec lui, c'est même lui même encore qui a arrangé, il a assassiné. Ça est clair pour tout le monde. Maintenant, on a supposé gagner opposition, tu as de camper lui-même. Si l'opposition a gagné tout bon agenda politique pour aider le pays à prendre un rail démocratique, lui, il a de camper derrière un citoyen honnête en dans des civils là, ou a besoin des juges propres qui dignent en dans pour les cassations tout, yo même qui pas entrer mais dans des autres cafés yo, ou qui va faire un appel avec yo. Et donnant les ça, ou ta bay pays a chance pour pays à reprendre la ligne démocratique. Quand yo gagne un paquet de délinquants politique, économique, social qui a fait passer des revendications, c'est le normal parce que pays a tombé dans des ordres qui fait capable de revendiquer tête comme chef. Tout le monde net besoin d'entrer en dedans par le national parce que moralité publique pays a les mêmes à genoux. A fait nous-mêmes, comme organisation qui défend le droit à monde,
nous dit tout le temps nous pas gain un monde qui sorti en dans sur des civils là ou bien t'a cap font tri dans un monde qui propre comme juge peut amender le rendre la république service parce que la loi reconnaît ça conscient comme ça qui va permettre nous qu'embé démocratie. Et bien nous dit c'est même des autres pas le faire parce que c'est même coquin yo qui pourra le prendre pouvoir même encore pas le faire malversation yo même encore qui peut pas le résultat avec la république. Et quoi clair, est-ce qu'on croit que crise a une solution? Vraiment crise a une solution, lui doit joindre nos solutions automatiquement citoyen lui-même les bail faites les plus capable même prendre boussole pays. Il y a pas son pays qui a terre qui dans la rue. Moi même comme avocat m'a pas vivre dans société de nos droits comme on cap défendre droit monde. Ça va m'assurer, ça garantit, je fais travail bien dans la question des droits humains, faire promotion, respect des droits humains, défendre les gens, relayer les gens quand on a fait mon abus, quand on a gagné justice. C'est là qu'on a gagné des citoyens honnêtes, eux-mêmes qui sont dans l'État. Mais je n'ai pas gagné mon honnête comme président de la République, je n'ai pas gagné mon honnête dans le gouvernement, je n'ai pas gagné mon honnête dans la police comme responsable, je n'ai pas gagné mon honnête dans le pouvoir judiciaire. Là, je viens compliquer le travail, moi, et je viens mettre le travail à faire en retard. Les qu'on y a, on va le faire sur son rapport, les on va le faire des recommandations, on va bien monde qui va le prendre enquête moi et à cœur, on va bien monde qui va le faire cas de recommandations mieux. Vous êtes côté responsable mesdames, maître Michel Dorgil. Toujours dans le dossier politique, ancien député commune Gonaïve là, Guy Jacob la Tortue reconnaît pays a été déjà dans crise depuis avant l'an mort ancien président Jovenel Moïse. Parlementaire a fait qu'on est journée jeudi à crise la vigne plus grave. Pendant ce temps, maître Jacob la Tortue croit pays a mérité un compromis historique qui ca permettre nation à respirer dans ça qui gien pour dans accord cap parler, dans ça qui gien pour dans accord cap parler sous qui forme exécutif pays a doit gagner. Ancien député Gonaïve l'a déclaré, nous devons rester dans l'esprit constitution 87 là avec un président et puis un premier ministre. En écoutez maître Guy Jacob la Tortue dans micro Alain Etienne. Bon, à la vérité, le pays a été en crise déjà, j'en dis déjà tout à l'heure la question, hein, depuis avant la mort du président Jovenel Moïse. Mais avec la mort, donc je dirais, du président Jovenel Moïse, donc surtout la condition que le fait là, le pays a été en crise qui est beaucoup plus profonde. Profonde que quoi? Parce que le président Jovenel Moïse, bien que le mandat est arrivé à terre, au moment où il a choisi Ariel Henry comme premier ministre, même si c'est un compromis historique, tout au moins, la nation va respirer, au moins. Donc moi, c'est qu'il y a un compromis fait pour tout de ça. Mais, à savoir, est-ce que son exécutif bicéphale ou son exécutif monocéphale, là, c'est une question. Comme on dit dans l'ancienne constitution, effectivement, on dit depuis la constitution 87, même penser que si on voulait garder les constitutions, mais ce n'est pas possible dans le moment ça, par rapport à la situation quotidienne. Mais si nous voulons garder l'esprit de constitution, l'État mieux si nous voulons exécutif bicéphale. Parce que l'ensemble d'attributions que la constitution baille uniquement au président de la République. Par exemple, pour l'organisation des élections. Donc qui est-ce que nous gardons? Évitez de faire pour la police. Qui est-ce qui fait ça? Parce que personne d'autre, parce qu'il ne va pas battre l'autre. Nous, ça nous laisse ça, privilège ça, son grain qui a fait. Nous devons prendre notre attribution. Donc, sans pour autant entrer dans le personnalité, qui est le président, qui est le président. Donc, ça, je m'en moque. Et puisqu'il y a, mettons, exécutif bicéphale, monte plus ça. Mais maintenant, acteurs politiques, société civile, donc tout au moins, je suis autour de table, pour déterminer qui modalité, qui consensus qu'il y a besoin autour de mon personnalité. Parce que quand Gabriel, ça fait intéresser. Mais je pense que c'est ça, l'objectif premier, c'est qu'on a un modus operandi autour de la personnalité. Ariel souffrit d'un déficit, comme premier ministre, pour le fait que c'est un héritage de Jovenel Moïse, que la nation était campée debout en ce moment donné, comme un seul homme contre lui. C'est vrai que la mort de Jovenel Moïse, dans la condition que le mourir en disant, atténue les faits de la figure. Parce que les Haïtiens sont un peuple, je dirais, qui. J'en pense pas là, qui est un petit peu émotionnel, peuple qui chante, danse, qui pleure et qui rit, ainsi de suite. Mais vous pensez que faut, pour une ministre Ariel, se soumettre en ouverture tout au moins. Ouverture avec différents secteurs d'opposition. Pour tout au moins, bah, on souhaite une légitimité maintenant pour mettre à gouvernement par là. Et renforcer maintenant la capacité maintenant pour gérer l'action.
Et arriver maintenant, nous avons un compromis sur l'organisation des élections. Parce qu'en en fait, jusqu'à présent, nous avons un gouvernement de facto, là, un gouvernement provisoire, ainsi de suite. Mais pour combien de temps? Il faut avoir un consensus qui va déterminer combien de temps, dans combien de temps, pour avoir une élection. Pour cette année d'ailleurs, je ne comprends pas comment c'est possible. Il n'est pas possible pour plusieurs raisons, parce que premièrement, un climat d'insécurité, que le pays machin, nous connaît tout qui soit. Premièrement, maintenant, je pourrais vraiment toujours insécurité en Haïti, comme dans tous les pays du monde ailleurs. Mais en Haïti particulièrement, dans le dernier moment de la phase de cette insécurité que nous pouvons, nous avons absolument, nous sommes capables de dire que la tête n'est pas aussi sinistre que nous capables de dire ça. Avec dossier justice, dans le premier journal, dans le tribunal premier instance, par le président Maître Bernard Saint-Ville, de la semaine cabine, ordonnance, lit sous dossier Aberson Gonek, dans le demande de faire pour jeune libération, ancien policier, ça, qui fait partie SPNH 17. Là. Maître Arnel Rémy, qui est avocat cap défendre policier Aberson Gonek, continue à demander libération client, hein, à tout autre prisonnier politique qui en dans la pénitentiaire nationale. Arnel Rémy. La semaine prochaine, doit rendre à l'ordonnance relative à l'habeas corpus initié en faveur d'Aberson Gonek par devant le tribunal de première instance. Et on comprend que plusieurs temps, grand pile d'activités qu'a fait pour en faveur d'Aberson Gonek de les politiques commander libération. Moi-même clair là-dessus. Oui, pour la libération des prisonniers politiques, mais dans le cadre de la loi. Comprenez bien que ce dernier ministre qui se trouve par devant la Cour de cassation fait l'objet de pouvoir. Puisque par un président de la Cour de cassation, elle dit là, les juges de la Cour de cassation ne peuvent siéger. Elle dit qu'il faut bon président pour nommer président de la Cour de cassation. Pas un président qui est trois juges. Le premier ministre est là, le premier ministre ne va nommer un président de la Cour de cassation. Pas une prérogative ça. Maintenant, nous-mêmes, dans le niveau cadeau, qui s'en dit? Seul un accord politique, c'est ce qui permet que prisonnier dehors. Pour qui s'en dit un accord politique, c'est parce que c'est un accord politique qui va le mettre président, puis le premier ministre qui va le mettre directeur ministre, etc. Maintenant, dans la feuille de route que le président va le gagner, il faut le faire que de libération prisonnier politique, il y a un point. Et pour qui point? Parce qu'on ne peut pas parler d'état démocratique, de respect de la liberté individuelle, de paix des lois fondamentales de la personne humaine, sans que ou pas ouais qui sont libération prisonnier politique. Et sans ça, on n'a pas encouragé tout le monde, mettez intérêt personnel de côté, ouais intérêt flan, ouais intérêt commun, ouais intérêt peuple haïtien pour que nous sortions pays dans ça et permettre que état de droit, liberté individuelle, arrestation arbitraire illégale pour permettre que ça rien dans le pays. Et nous-mêmes, dans le niveau cadeau, Arnel Rémy, n'a toujours continué parce que nous sommes organismes de droits humains. L'objectif d'un organisme de droits humains, c'est de dénoncer les violations des droits fondamentaux de la personne humaine et encourager les autorités à respecter, à se battre pour la préservation de ces libertés individuelles. 21 septembre, Kavin, là, c'est date que l'autorité a retenue pour réouvrir l'école dans 7 départements dans le pays d'Haïti qui peut frapper par tremblement de terre 14 août 2021. Alors que dans le grand sud pays qui est effectivement en bas tremblement de terre, c'est date 4 octobre 2021 que l'autorité a retenue pour l'école là où est démarré. Coordonnateur Organisation pour Développement et Transformation d'Haïti, ODTH, Pasteur Mathieu Raphaël, déclaré ouverture l'école là paraît difficile pour parents yo en ça parce que yo pas gagne l'argent pour faire préparation. Bandio t'a imposé le royaume dans la capitale pays en Port-au-Prince avec un croix des bouquets pour 8-3 monde mourir dans le croix des bouquets avec un autre perdu la ville, les têtes noues dans la capitale pays en Port-au-Prince à cause de gang Genef en famille et alliés avec gang Caché Tifé, eux-mêmes, ils ont pris la rue pour eux-mêmes manifester colère dans la capitale pays en Port-au-Prince. Gang 400 Marozo, ils ont l'autre parlé maintenant, croix des bouquets, ils ont piaffé pour démontrer puissance de feu, ils ont gagné dans toute croix des bouquets pendant toute commencement semaine. Plusieurs dizaines de monde handicapés manifestés dans la rue Port-au-Prince hier jeudi 2 septembre 2021 pour exiger autorité de respecter les droits gagnés pour un logement. Entre temps, le collectif de Français Plus demande aux autorités qui dans l'État pour réagir sans perdre du temps de façon à ce que plus capable permettre mon lieu de chasser dans la caillou, capable de retourner la caillou sans perdre du temps. Ancien magistrat commune Kafoua qui n'a rentré sur la capitale là, Yvon Jérôme, déclaré l'IPATLA pour remplacer l'État pendant qu'il dénonçait la police avec la justice qui n'a pas fait un lien pour garantir sécurité et la paix dans Matissan. Dossier justice dans un tribunal première instance pour le président, Maître Bernard Saint-Ville, le bail à semaine qui vient là, ordonnance li sous dossier Aberson Gonek qui est en prison depuis quelques temps, qu'on a demandé libération. Ancien sénateur Steven Benoît qui a réagi sous situation insécurité, notamment question gang exam qui gagne plusieurs côtés dans le pays, il dénonce autorité qui n'a pas assez de capacité pour capable maîtriser l'action bandit. Dans le dossier politique, le responsable Beda Douamoun, M. Michel Dongil, le fait qu'on est un pays qui n'a pas de monde qui a dirigé le coin là.
Maître Dogil considère PIA, jeudi, comme yon savant, côté tout délinquant, prend la rue pour faire ça ouvrir, c'est hôpitaux, n'importe qui l'est. Ancien député commune Gonaïve là, Guy Jacob là, t'as dit reconnaître PIA était déjà dans crise avant la mort ancien président Jovenel Moïse là. Parlementaire a fait qu'on est, jeudi, à crise la vie plus grave. N'a pas rentré qu'on est là avec un détail d'information, yo, et réouverture l'école pour année scolaire 2021-2022, en pas fait encore demain lundi 6 septembre. Et suite à un conseil ministre ou bien gouvernement qui est fait jeudi, autorité a annoncé pour 21 septembre ouverture l'école pour quelques départements dans le pays qui pas touché en bas passage en tremblement de terre 14 ans août. Cependant, pour le département qui est dans le grand sud, on parle du département NIP, département sud et département Gadas, revêtir l'école là fixé pour 4 octobre Cap Vinila selon le gouvernement. Premier ministre Ariel Henry a indiqué que l'ouverture classe dans la zone touchée et en bas tremblement de terre a été priorité gouvernement. Nous allons vite entendre des déclarations du Premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry. Pour nous, dans le gouvernement, il est important que tout le monde soit à l'école. Et la période de rentrée scolaire, rentrée des classes, sont périodes qui sont toujours très difficiles dans le pays. Il est difficile parce que nous vivons dans un environnement sociopolitique et économique difficile. Le gouvernement prend décision, fait une rentrée des classes en deux temps. Yon tan li concerné timoun ki nan zone ki pa affecté par tremblement de terre ou ki peu affecté par tremblement de terre. C'est-à-dire que tout reste payant en dehors de la presqu'île du sud. Timoun sa yo nou décidé n'ap reporté rentrée scolaire là qui te doit fait le 6, nou reporté pour le 21. En fait, nous t'avons reporté pour le 20, mais 20 son jour férié lié. 20, c'est la fête de l'anniversaire de l'empereur Dessalines, du fondateur de la République. Et le gouvernement précédent a décidé que 20 son jour férié, donc l'école a ouvert le 21. En ce qui concerne zone qui presqu'île du sud, là, trois départements affectés par tremblement de terre, l'école a ouvert le 4 octobre. Et l'école, elle nous dit, toute l'école dans notre presqu'île du Sud. Là. Pour nous arriver à ouvrir, il faut nous faire un pile travail. Il faut nous retirer des blés. C'est-à-dire qu'il écraser, il faut nous retirer. Il faut nous mettre structure pour que Timoun soit capable d'aller à l'école. Et mon Timoun, ça, c'est quel que soit Timoun qui est dans l'école d'État, dans l'école religieuse ou dans l'école privée. Il faut tout Timoun dans la presqu'île du Sud là, aller à l'école. Nous avons fait un effort. Pour nous faire effort, ça, nous faisons un conseil d'interministériel composé de plusieurs ministres pour que nous capables de mettre toute force nous pour que Timounio qui a joint l'école là à temps. Nous voulons aussi que prendre des dispositions pour nous gagner des allocations pour parents, pour élèves, pour l'école, pour professeurs de l'école. Donc, tout ça, à petit temps, c'est peut-être ça nous repousser l'école dans la presqu'île du Sud-là et nous retarder l'école dans le reste pays. Nous attendons des déclarations du Premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry. Nous parlons dans le département de nos pays, puisque il y a un coordonnateur organisation pour développement et transformation pays d'Haïti, Odette. Pasteur Mathieu et Raphaël a déclaré, ou veut dire l'école là paraît difficile pour faire pour parents yo Anissa parce que pas gain l'argent pour faire préparation. Il dit l'état pas gain j'ai le fixé sur frais scolaire yo qui a monté chaque jour dans l'école yo dans pays d'Haïti. Dirigeant Odette là dit c'est problème éducation qui la cause violence avec délinquance juvénile blahi tout côté en dedans République là. Il mandé pour tout un secteur mettre ensemble pour éducation capable de changer dans le pays. Plus de détails correspondant à nous, Jacques Geoffroy, depuis le département de notre pays. Rentrer l'école là, Anissa, provoqué en pile parler dans presque toute couche dans la société. Diverses institutions parmi eux, organisations pour développement et transformation d'Haïti aux dettes qui gagnent dans la tête, pasteur Mathieu Raphaël, plaignant pasteur Moulin-Bois. Devant calamité, parents haïtiens yo ap andiré nan dernier jour là côté fourniture scolaire ak l'agent l'école privée
ak Congréganis, Wobibit, Bergéa, Estomake, pour tête l'État censé démissionner, côté li pa jam di anyen pou frene question l'argent l'école qui pas suspend monter malgré gagnon loi sou frais scolaire qui existait qui malheureusement pas jam appliqué. Pasteur Mathieu Raphaël. Parents yo a cassé tête yo pour capable voir comment yo capable acheter livre, acheter valise et etc. Eh ben yo pas gen moyen et surtout nous pas gen l'état dans le pays toute l'école monter frais l'école yo et nan yon niveau côté malheureux pas ka jwenn l'argent sa vrai. Alors te dwe gen alors l'école l'état qui pour recevoir tout le monde. Constitution haïtienne nan dit que l'école primaire te doué gratis pour tout petit pays. Tout petit petit pays en général. Or, l'en gardé, l'État pas gen l'école. Et c'est pourquoi que même dans l'école, l'État, je dis, si parent pas gen l'argent, il pas gavou le timon l'école. Et c'est pas plus facile pour aller l'école. Et c'est ça qui porte gagner toute qualité problème et violence qui est dans le pays. Parce que nous pas gon l'État qui est responsable pour capable éduquer petit pays, former petit pays qui parle prendre la relève demain. Maintenant, donc, à faire l'école là, nous avons besoin de conscience pour nous mettre les têtes ensemble pour que Haïti ait vraiment une école et pour gagner l'école également, il faut que nous ayons un travail. Coordonnateur organisation pour développement et transformation d'Haïti, Pasteur Mathieu Raphaël, plaide pour gagner une seule école dans le pays. Une seule école avec l'État responsable qui pour planifier et puis mettez strictement dans le système éducation pendant l'admettez bon j'ai matériel travail dans l'école publique à disposition élèves yo ak professeur yo depuis cap haïtien Jean-Claude Geffroy Pyramide FM. Merci un peu, là, Jacques Geffroy, dans le département de la Tibonite, là, plusieurs écoles, trouvées en état qui est déplorable, à côté de un peu le monde, qui a demandé, est-ce qu'il y a un fait travail, pour ouvrir l'école Sayo, pour 21 septembre, à Kabine, là. Gagné un lycée, Stenio Vincent, qui est dans la ville Saint-Mac, il a même dérapé avec un travail à la propreté, et peinturé dans le local, ça. La fois qu'on a été une station machine, qui était venue camper devant le local, lycée Stenio Vincent, dans la ville Saint-Mac, capote à guêpe, ça t'a empêché et un peu le monde fréquenter l'école là à cause de machin qui t'a été blahi, machandisio, fatra qui t'a en dedans tout en l'école ça. Plusieurs journalistes ont constaté travail yo reprend non et y a pas avancé sérieusement dans lycée ça qui trouvait là dans la ville Saint-Mac constat et plusieurs journalistes y veut faire citoyen demandé pour direction mettez lampadaire énergie et sécurité pour élèves yo en tout cas une étude qu'a fait pour capable gagner un escalier secours si toutefois t'as un tremblement de terre qui t'a frappé le département de la Tibonite pour permettre à élèves et professeurs que même yo pas ta victime. N'a pas quitté département la Tibonite là, nous parler dans département sud pays, on n'a pas entré dans ça pour avec un dossier tremblement de terre. 22 jours environ après, terre a été fin souqué bien fort dans département sud pays en 14 août 2021. Autorité ou dans département ça a dit à penser pour souiller un plan construction à recapitalisation citoyen. Délégué département sud dans Serge Chéri, dans ça a dit déjà fait diverses propositions par un représentant Banque mondiale nan kadayou an kontan li te gen avec li. Plus d'état correspondant nou Rosbeta Denistan depuis département sud pays. Suivi pour continuer assister victimes tremblement de terre 14 août yo a continuer dans sud pays. Délégué Serge Chéri dit déjà fait plusieurs propositions ba une délégation Banque mondiale nan kadayou rencontre mercredi 1er septembre 2021. Représentant exécutif là dans sud fait konnen pou kounya c'est sous mode reconstruction à plan relèvement pour département y a travail. Konsa li souhaite ONG yo ta servi ak ressources dans département yon façon pour permettre professionnel yo gen l'argent rentrer dans main yo. Délégué Serge Chéri. Et a fait urgence, nous presque fini avec là, mais qu'on y a nous pas entrer dans phase de reconstruction yo. Et hier moi j'ai rencontré avec un responsable de Banque mondiale qui est venu là et que nous défait des propositions. Nous parlons avec eux, mais en termes de chiffres, nous baillons des chiffres sur question de combien de monde qui est victime, combien de monde qui est blessé, monde qui n'a
abri provisoire, mais qu'on y a là, nous besoin de mode de reconstruction qui vous permet toute population capable de bénéficier. Population vraiment victime, non, c'est des pour bénéficier. Et organisation internationale, au cabinet, tout, nous parle avec eux tout, sous question de recapitalisation de moun, parce que moun nous décapitalisé, au lieu que vous sortiez Port-au-Prince, vous sortiez côté, vous sortiez avec professionnels par eux, mais ici, vous des professionnels tout, pour garder si professionnels ici, tu es capable de travailler. Ingénieurs ici, tu es capable de travailler. Même manutention, parfois, moun nous sortit de l'autre côté avec, mais souhaiter que vous veniez avec des monde pour capable, gon cob qui brasse ici, et créer de travaux de haute intensité de main-d'œuvre. C'était occasion pour direction protection civile, ensuite présenter un bilan provisoire toujours sous tremblement de terre qui baille, 1832 moun mourir, 9158 blessés, 195 disparus, 30122 cas écrasés, 42737 endommagés, et 72 familles sinistrées selon Silvera Guillaume, coordonnateur technique protection civile là. Depuis Villocaille, département sud, Rosberta Denestan, Radio Pyramide. Merci en pile, Rosberta n'a pas rentré dans l'autre point de domine actualité, un problème insécurité, puisque depuis semaine ça, nous constatons vague insécurité recommencer dans Port-au-Prince, kidnapping dans tout, la reprend en force. Est-ce que ça t'a dit trêve en bandit au Tébayo, est-ce que yo finavel? Fon dit que capitale haïtienne, hier jeudi, en télévé sous gros tension, en pile coup de zam, t'a pas tiré, plusieurs côtés dans la capitale, là. Bien bonheur, individu qui t'a gagné zam nan meyo, qui t'a gagné cagoule nan tête chou, et t'a prend plusieurs coins, avec un recoin nan Port-au-Prince. C'est cas sous Bel Air, rue Pavé, Centre-Ville, Port-au-Prince, là, à l'autre côté, t'as qu'au Matissan et Latrier. Bandit à meyo, rentré en démarche, pour tenter, ouais, si t'es capable de prendre local, police, sous commissariat, police, cafétéria, qui trouvait là, dans centre-ville, là. Selon ça, information, yo, fait qu'on est, gagné, là, d'ailleurs, même, qui fait, qui dénonçait, c'est un gang armé, qui pote non, craché du fait, qui c'est, non, groupe, en famille, qui t'a campé des actions, ça, c'est eux-mêmes, qui t'a occupé la rue, comme conséquence, dans parade, ça, que monsieur Tabaya a hier, dans Port-au-Prince, yo, moun, non, mouri, les recevoir, yon balle, dans coulis, c'est un balle, en marron, son commerçant, qui pote non, tisson, gen plusieurs autres moun, qui au même moment ta recevoir balle, qui blessé, d'après ça, plusieurs témoins, fait qu'on est, jusqu'à hier après-midi, la Pérez a été blaillé dans plusieurs quartiers, dans Port-au-Prince, ça qui était empêché, en pile moun, et prend la rue, pour amener activité, yo, à cause d'un gros coup de zam, qui t'a pas enchanté, dans plusieurs côtés, dans Port-au-Prince, situation en tout, pas trop différent, dans sortie sud, capitale, là, Matissan, puisque troisième circonscription Port-au-Prince, là, lui-même tout, t'es gagné une grosse situation qui t'a pas développé la donne à un jeudi. Une opération la police à un niveau la saline t'a pas provoqué une vague tension côté plusieurs côtés dans la capitale là selon information qui était pris en avion t'a pas chauffé en pile. T'es gagné une barricade à caoutchouc enflammé en pile monde t'es capable d'observer dans zone Matissan, Bel Air, la saline à l'autre côté encore en pile rafale coup d'arme automatique t'a chanté ça qui t'a provoqué panique dans différents endroits que moun connaît comme zone non droit ou zone rouge dans la capitale là. Tonson route Matissan pour mener Kafou sorti sud de capitale là t'est bloqué depuis 9h du matin. Seul piéton qui pat pe balle qui t'est essayé ouais si t'es capable de passer machine qui t'est saute dans grand sud là et qui t'a pralé dans grand sud là tout t'es obligé retourner chemin à cause de situation ça qui t'a développé dans troisième circonscription Port-au-Prince. N'a pas retourné dans centre ville là gain un commerçant jeune te dit tout à l'heure là qui a vend en bas la ville là côté là qu'on habitue vendre rad depuis un bon bout de temps et ben qui est sylphoné Maxi on connaît son nom Tisson il gagne 62 ans li mouri en bas balle la bandit armé Genève famille à Calier yo dans rue Pavé Port-au-Prince hier jeudi 2 septembre 2021 dans cadre activité gang caché du feu t'a mené dans Port-au-Prince d'après information qui vient joindre nous bon côté famille victime non c'est dans moment li t'a pral la ouvri commerce li yon groupe bandi et gang caché di feyo t'a pas tiré yon bal marron al prani nan kou Rita Vilseus Maxi qui c'est madame victime non pas capable kembe de l'onanje li il parler li t'a profité parler tout de qui est sa victime nan teye en côté yon après l'autre Rita Vilseus Maxi qui c'est madame victime non à petit garçon li Josué Maxi Marie me lève matin mais ben mais te radli sous li bien pour ami di chéri ba yam relem nom
Je dis chérie, m'a venu, me dit chérie, oui, non, on est là, il n'y a pas bon, que des jours pas bon. Je dis comme ça, mais ok, si moi le babou m'a retourné, eh bien, je viens pour moto, je viens déposer là, je viens t'arranger ma chandise là. Je viens t'arranger ma chandise là, qu'on y a bon an. Il t'a dit à tirer tout le monde courir lui-même, gommé, on poteau, là, la pielle, non, potoa. Grand balle la vie prendre beaucoup. Même coucher à terre là, même coucher à terre. Mais la bénin son à terre là. Oh Marie, m'a j'oublie, parce que tout le temps, si a dit, on descendre la ville là, si on tape, si tout le monde grand balle, on tape, ça fait au mal en pile, parce que on passe trop de misère pour lever. Ça fait au mal en pile, en pile, en pile. Les gens disent, tenez, Marie mourir. Ah! Ça fait un mal en pile parce que je passe trop de misère, je viens de 45 ans depuis la viande là. Rap. C'est pas tout le monde qui connaît, c'est le monde qui va jamais parler à moi, mais ma chaîne là a parlé, je dis Marie, je dis, faut que je connaisse bien pour persister bien pour raconter le chita. Depuis le fin de ranger pour merci, il va n'en parler avec personne. Le chita l'a prié pour elle, la prié à midi, le chita a voté le chita, elle fait prié à midi. Oh, Marie, pas plié, non? Pas plié, pas jamais plié, parce que. C'est papa qui est mort là, il est retiré pendant l'hiver, il est ouvert commerce retiré. S'il faut un maxi, il y aurait les nous retirer comme ça avec papa, papa mourir pour marcher avec drap pour nous couvrir. Beaucoup, bah on compte bien, mais beaucoup à moi. Semblons on balle les liés parce que bon balle beaucoup quoi. La vente dans zone longtemps. Il y a presque mon business manier presque 50 ans dans la zone là. Bagadien et pas que connaît parce que va comme ça m'da souhaiter pour mourir parce que il fait tout moyen possible pour lever tout monde dans mourir pas tout monde pas d'arrêter comme ça pour monde pas passer. Nous attendons des déclarations Rita et Volsis qui Maxi ensemble avec petit garçonnier José Maxi qui t'a parlé sur un crime ça qui fait hier côté bandit armé gengo zam nan men yo qui fait partie de gang Genève famille mais qui sorti dans gang craché différent t'a bay un parade dans Port-au-Prince. Alors fon dit tout yo t'est occupé ripave ensemble avec Rudike bandit yo t'est point possible banque nationale crédit en pile rafale coup d'arme automatique t'a tiré aux alentours de BR achetant qui t'a provoqué une vive panique dans mitan employé la banque. Employé la banque te lancé un appel pour t'a demandé coup de main ou bien secou en bas nan men la police pour venir ouais si tu es capable de mettre dehors et dans situation que tu es plusieurs unités spéciales dans PNH là tu es obligé adopter plusieurs mesures stratégiques pour te faciliter employé yo quitter et BH là pour aller la caillou puisque bandio te prend local BH là comme cible. Vérité sous tambour, c'est toute nouvelle pays à nouvelle internationale dans 30 minutes 63.5 Radio Pyramide chaque jour 9h du matin. On entre dans sa pour avec un dossier politique là, un ancien député commune Gonaïve là, Guy Jacob la torture reconnaître que pays a été déjà dans crise avant la mort même ancien président Jovenel Moïse. Parlementaire fait qu'on est crise ça qu'on est là vienne plus grave. Maître Guy Jacob la torture quoi pays a mérité un compromis historique qui t'a permettre nation respirer. Dans ça qui vient pour accord qu'a parlé sur qui forme exécutif pays ta dwe gen, ancien parlementaire nan ville Gonaïve lan déclaré nous dwe rete nan l'esprit constitution 1987 là qui dit c'est yon président ak yon premier ministre qui pou dirige pays a. En tant de déclaration ancien député commune Gonaïve lan Guy Jacob la torture. Bon, à la vérité donc pays a été en crise déjà, j'en dis déjà tout à l'heure la question depuis avant la mort du président Jovenel Moïse. Mais avec la mort donc je dirais le président Jovenel Moïse, donc surtout la condition que le fait là, le pays a eu une crise qui est beaucoup plus profonde. Profonde que quoi? Parce que le président Jovenel Moïse, bien que le mandat est arrivé à terre, au moment où il a choisi Ariel Henry comme premier ministre, même si c'est un compromis historique, tout au moins, une nation va respirer, au moins. Donc moi, c'est qu'il y a un compromis fait autour de ça. Mais, à savoir, est-ce que son exécutif bicéphale ou son exécutif monocéphale, là, sont des questions. Comme on dit en ancien constitution, effectivement, depuis la constitution 87, même penser que si vous voulez garder l'aide constitution
bien sûr, il n'est pas possible dans le moment ça, par rapport à la situation de crise qui est. Bien sûr, nous avons l'esprit de constitution, l'état mieux sur le niveau exécutif bicéphale. Parce que l'ensemble d'attributions que la constitution baille uniquement au président de la République. Par exemple, pour l'organisation des élections. Donc, qui est-ce que nous gardons? Éviter de faire la prudence à sa police. Qui est-ce que nous gardons? Parce que personne d'autre, parce qu'il n'y a pas de personne d'autre. Nous, ça nous est ça, privilège ça, son grain de l'affaire. Nous avons besoin de notre attribution. Donc, sans pour autant entrer dans l'affaire de personnalité, qui est-ce qu'il y a président, qui est-ce qu'il n'y a pas président. Non, ça, je m'en moque. Et puisqu'il y a très mettant exécutif bicéphale, montez plus ça. Mais maintenant, acteurs politiques, société civile, donc tout au moins, je suis autour de table pour déterminer qui modalité, qui consensus qu'il y a bien autour de personnalité. Que ce soit qu'à la pierre, qu'à la joie, ça peut intéresser. Mais je pense que c'est ça que l'objectif premier, c'est qu'on modus operandi autour de personnalité. Ariel souffrit d'un déficit, comme premier ministre. Le fait que c'est un héritage de Jovenel Moïse, que nation était campée debout en ce moment donné, pendant ce long contre lui. C'est vrai que la mort de Jovenel Moïse, dans la condition que le mourir en ces gens, atténue les faits d'ailleurs. Parce que les Haïtiens sont un peuple, je dirais, qui sont, j'en pense pas là, qui est un petit peu émotionnel, un peuple qui chante, qui danse, qui pleure et qui rit, et c'est de suite. Mais il pensait que faut, pour le ministre Ariel, t'as cherché maintenant une ouverture tout au moins. Une ouverture avec différents secteurs d'opposition. Pour tout au moins, bah, on souhaite une légitimité maintenant à gouvernement par là. Et renforcer maintenant la capacité maintenant pour gérer l'ensemble. Bon, et arriver maintenant dans un compromis sur l'organisation des élections. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, nous avons un gouvernement de facto, là, un gouvernement provisoire, ainsi de suite. Mais pour prendre le temps. Il faut avoir un consensus pour déterminer combien de temps, dans combien de temps, pour gagner l'élection. Pour cette année d'ailleurs, on va comprendre comme c'est possible. Il n'est pas possible pour plusieurs raisons, parce que premièrement, un climat d'insécurité, que bien ma chambre connaît plus de qu'il soit, même à mon âge, je ne toujours bien sécurité en Haïti, comme dans tous les pays du monde ailleurs. Mais en Haïti particulièrement, dans le dernier moment d'abus, dans la phase que c'est insécurité que nous prenons, nous avons. Absolument, nous n'avons pas capable de dire que nous pas aussi sinistre que nous capable de dire ça. Nous attendons des déclarations ancien député communal Gonaïvelan de Guy Mette Guy Jacob Latortue. Gouvernement haïtien a reporté ouverture l'école pour année 2021-2022 pour 21 septembre à 4 octobre Cap Vinla. C'est une déclaration au premier ministre haïtien en fait côté le fait qu'on est l'école n'a pas ouvert le 6 encore c'est pour 21 la pour l'ouvrir dans 7 départements et le 4 octobre la pour l'ouvrir dans Grand Sud là. Gang armé caché du feu qui fait partie de groupe Genève en famille et tout l'an bah yon parade ailleurs dans Port-au-Prince en bilan yon moun nan mouri qui sont commerçants qui ta recevoir yon balle en cours plusieurs autres blessés à balle même situation ça tout est répété dans Matissan côté circulation est complètement paralysé employé capitaine en BH ont eu gros difficulté pour te quitter BH là ailleurs pendant journée à cause bandi examen ont prend local BH là comme cible c'est la police qui était obligée vienne faire toute ça qu'on est pour quitter moun sa yo aller la caillou 22 jours environ après tremblement de terre 14 août là a frappé département sud là autorité dans département déjà travaille son plan construction ak recapitalisation citoyen yo délégué département sud là c'est géré fait qu'on est chita avec yon représentant Banque mondiale sous dossier si là Ancien député communal Gonaïve Lan, Guy Jacob Latortue reconnaît un pays en crise depuis avant la mort Jovenel Moïse, mais pour qu'on ait la crise en vingt plus grave. Député a déclaré, nous devons rester dans l'esprit constitution 1947 là, qui dit qu'il faut gagner un président et un premier ministre pour diriger le pays pendant le fait qu'on ait une élection pas possible pour année si là. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez cap tendez. Dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien,
Passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.